What's up, j'entends, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Skill PvP. Aujourd'hui, en fond, ça va être le dernier épisode avec la faction que je suis en ce moment. Je vais rejoindre une autre faction parce que, je sais pas, genre, j'ai tout refait le rapé. C'est ça que je veux vous montrer en fait aujourd'hui avec D-Release, il s'appelle. On a refait toute la paix. Je voulais quand même vous montrer ça parce que j'ai pas eu le temps de vous le montrer. J'ai vraiment passé, genre, énormément de temps sur le serveur les derniers jours. On a PVP avec Okila, on s'est vraiment amusé sincèrement, puis j'aimerais vraiment ça que vous ayez voir la chaîne d'Okila, parce que c'est vraiment quelqu'un de super sympathique et vraiment drôle. Donc si vous avez envie d'écouter des vidéos sur Skill PVP, il fait vraiment beaucoup de vidéos sur Skill PVP en ce moment. Donc, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait dans la paix. Donc je vais descendre jusqu'en bas, parce que moi, tout ce que j'ai fait, en gros, on a fait l'échelle, mais le truc le plus important, en gros, c'était ici. Donc des rooms pour trap les gens, mais ça c'est pas tellement important. Le truc que je voulais vous montrer vraiment qui est intéressant pour moi et que vous allez pouvoir proposer dans vos bases, c'est ceci. Donc, voyez ici, on a fait un genre d'entrée classique, genre peu importe, vous la faites comme vous voulez. Mais regardez, il y a des fils ici de côté, puis les gens ils peuvent pas perdre, en fait à cause des fils. Donc les gens ils les voient pas les fils, regardez, on va se mettre ici. Fait que les gens ils voient pas les fils, fait qu'eux ils vont faire genre, oups. Oh, attends. Ils vont faire genre, oups, je vais perdre là. Puis là, boum, ils vont tomber là. Puis là, ils vont être obligés de regarder. De tomber dans la trappe que là, on a faite ici. Ensuite, c'est une trappe comme ça. Vous l'avez déjà vu, des trappes comme ça, les amis. Je pense que c'est pas nouveau du tout, ce genre de trappe-là. Fait que, c'est ça. Je vais remonter au F1. Voilà. Fait que c'est ça qu'on a fait. Et puis, c'est vraiment cool parce qu'on a fait les deux côtés. C'est vraiment intéressant comme type de trappe. J'espère sincèrement qu'il y en a plus d'entre vous qui vont l'améliorer et la développer. Parce que, de côté, on voit pas les fils avec le texture pack de base. Après, je sais qu'il y a des gens qui utilisent des texture packs différents. Je pense que celui de Ankno My Skill, si je m'abuse, on voit les fils dessus, etc. Donc, je sais vraiment pas, mais bon. Voilà. Donc, c'est pas mal ça que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. En gros, la paix, puis vous dire que je quittais cette faction-là. J'ai aussi fait le ménage à la BP. Donc, là, il y a énormément de gens qui peuvent payer devant la base. J'ai aussi fait le ménage à ma BP et tout. En gros, j'ai tout vendu à peu près tout ce que je voulais. Donc j'ai 54 000 et puis j'ai aussi 3 full space, donc j'en ai un sur moi en ce moment qu'on va fix all. J'en ai un en ce moment sur moi, j'en ai 3 au total si je me trompe pas, ouais voilà, 3 au total. Le seul problème que j'ai, le seul truc que j'ai pas dans le fond, c'est des arc punch. Le seul arc punch que j'ai c'est celui-ci, donc si vous voulez me vendre un arc punch contre n'importe quoi les gars, ben faites-moi une offre et je vais peut-être l'accepter. Comme je dis, je suis en manque de... Je suis en manque des trucs, quoi, de Dark Punch. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, ouais, j'ai tout classé, j'ai tout vendu, qu'est-ce que j'avais pas de besoin. Pour vraiment pas cher. Et puis, ensuite, voilà, ensuite, j'ai rejoint la faction de Bifreeze. Ensuite, dernier truc que je voulais vous montrer, j'ai dit genre 50 millions de fois ensuite. Ah, oh, ouais, ben, vous avez sûrement déjà vu, j'en ai déjà dit un million de fois, je vais vous montrer, on s'est fait piller. Fait piller cette petite base là qu'on avait fait, donc c'est malheureusement, bon, ça fait partie de la vie, mais on s'est fait piller cette base là. Fait que adios amigos, join by freeze, by freeze invite. Il faut qu'il m'invite, sinon moi, si mon ami m'invite pas, ben je peux pas venir. Ah ouais, ils ont trouvé notre base avec les bugs de redstone. Rip, rest in pepperonis motherfuckers. Have join ash Avoc. Fait qu'avec eux les gars, qu'est-ce que je vais vous montrer en gros, c'est que je vais vous proposer énormément de PVP. Ça va être, ben, un de mes buts premiers, c'est de concentrer un peu plus les let's play sur le PVP. Ensuite, peut-être mettre des dons dans les épisodes. Et puis vraiment faire quelque chose de sympathique. Parce que bon, pour l'instant, je vais pas vous le cacher, c'est cool PVP, mais je vais quand même proposer un contenu différent. Je vais proposer des trucs stylés, donc du trapping, des trucs comme ça. Puis on va faire, j'ai fait le tour de leur base, j'ai rien fait ici, hein, je vous le dis tout de suite. Ici, ils ont l'air d'avoir mis un champ de verrues. Puis là, ici, ça descend. OK! Il n'y a pas juste un champ de verrues, en fait. Lol. Canne à sucre, ça continue-tu quelque part? On va faire une petite visite. Non, ça continue pas ici. Ils ont une putain de belle trappe aussi, j'ai essayé de la montrer après. Oh, là, on peut remonter ici, je crois. Attendez. On va monter ici. On peut-tu remonter? Non, on peut pas remonter. On va perdre au pire. Boum.
Voilà. Il y avait une autre place. Ah oui, c'est ici. Donc, ici, regardez, ça c'est une trappe ici. Attends, ici ça c'est une trappe, je sais pas comment l'activer la trappe. Mais ça c'est une trappe assez stylée. Vous allez sûrement la voir en temps et lieu. Ils ont vraiment bien géré leur truc personnellement je trouve. Il y a aussi une échelle ici qui nous amène, je sais pas où, on va aller voir. On va aller voir où est-ce que ça nous amène tout ça. On fait juste vite une petite guidée de visée. Puis là, attendez. Whoop-a-l'ay, ça remonte. Holy fuck. Comment on ferme la porte? Ah voilà. Et là il y a Bifreeze. Et là il y a des potions anti-shot, des stuff. Et puis là s'il attrape en fait. En gros quand les gens sont là ensuite qu'est-ce qu'on fait genre? Tantôt j'étais access dans le rapide. Puis en gros exemple on est là qui puis on fight. Là il faut essayer de bloquer la personne dans l'obsidienne puis tout. Genre ça peut être intéressant. Ah c'est vrai j'ai mon skill chest parce que j'ai plein de trucs. J'ai pas mal de P4 dans celui-ci, j'avais oublié que j'en avais pas mal. Donc ouais, ça peut vraiment être intéressant. J'espère vraiment qu'avec cette faction-là, je vais pouvoir vous proposer des vidéos de meilleure qualité, quoi. Et aussi, ben, faire de mon mieux pour vous proposer tout le temps un épisode, 3 épisodes par semaine. Donc, en espérant que je sois capable de faire ça. Donc, on verra bien qu'est-ce qui arrivera. Et puis voilà, quoi. L'avenir nous réserve plein de surprises. Enfin, je l'espère. Et puis voilà. J'espère que vous allez apprécier les clips qui s'en viennent. Donc, ça va sûrement être des dons, la plupart des dons, j'espère. Et puis voilà, je vous aime, c'est un con. À tout de suite. Je pense que Sansorus a un don de perle. What the fuck? Mec, je suis full, attends. What the fuck? Yes! Yes! Merci, mec, ça fait plaisir. J'en avais grave besoin en plus. Oh my god! Merci, mec! Oh, j'avais grave besoin. Message. Sansori. Merci beaucoup! Yes, les gars! J'avais besoin de perles, justement. J'avais besoin de plein de trucs. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Sansorus. Yes! Ok, après notre récolte, quelques abonnés m'ont donné 10 space. J'ai réussi à faire 7 plus 4 space, ça fait 11 space au total. On peut en faire un autre, mais ça va nous prendre un petit acide de plus. Donc, je fais juste garder ça ici le temps qu'on craft ça. Donc, ça nous prend juste un petit acide. Donc, si on voit un petit acide, on pourra sûrement l'acheter. Ou voilà, comme vous avez compris le principe. On a reçu aussi des dons, donc ça fait plaisir. Notre hache, on peut sûrement la vendre. Je pense que je vais la vendre à 3 500, tiens. Wow, you cannot pay enough. Oh, ok, ça coûte de l'argent, puis j'ai plus d'argent. Oh, attends. HDV mail. Tac. Voilà. Je sais, je voulais vendre mon casque, mais je pense pas que ça va être une bonne idée. Donc, voilà. Donc, on a assez maintenant pour le mettre en vente. On va le mettre à 3 500. Voilà. Comme ça, et puis, ben, je vais aller PVP, les amis, puis on se retrouve quand je suis prêt, tout de suite. Puis on a fait un duel contre Chronizo, et le but, c'était si je gagnais un duel à la main, je gagnais son EC, et là, il est en train de tout me drop son EC, donc 10 œufs de Creeper, P4, Citacite, U3. Merci à toi d'être un joueur fair play. Merci pour ton fair play. Bisous. Ok, Non, mec, 25 euros de chaussettes, qu'est-ce que ça va me donner? L'obsidienne, 24 graines de cannabis! What the fuck? Wow! De l'obsidienne, encore de l'obsidienne, encore de l'obsidienne, encore de l'obsidienne. 8 joints, 32 œufs de creeper, 4 pump sheets, 20 synalnium, 4 Oh my god. titacites, Oh my obsidienne, god. C'est la obsidienne, merde. des bottes en météore, Il va 4 œufs péter de. câble. 64 obsidiennes encore, what the fuck? Ouais, pump sheet encore, 24 random ore, 56 random ore. Encore des random ore. Deux space! J'ai eu deux space! Deux Et space! mec, tu sais que dans les rangs de mort, tu peux avoir plein de métiers et tout. Météorite. Je sais pas trop qu'est-ce que je gagne depuis tantôt là. En fait, De il a pas pour l'obsidienne. avoir Des d'autres bots en météorite. Oh, gamer, imagine ce mec qui Encore fait des des random rangs de mort, tu peux ore. pas. Trois pièces à spawner. Des joints Oh, gamer. encore. Putain. Des pump cheats. Imagine ce mec qui sort dans Des l'aventure, tu fais graines. quoi? Moi, Tu je le te focus touches, comme un mec. gros porc. Du Lupin, mec, il est en Citacite. chien, je crois. Oh, il va tout Sélanium. faire ou quoi? Oh, mec, c'est ça, je nique. Ah, non, c'est moi, Des je. pièces à spawner. Des Mais tu graines gagnes pas de encore. d'item space. Non, j'ai pas gagné d'item space. J'ai juste gagné deux trucs de space. Ça, c'est Mais tu 25 gagnes pas euros. d'item.
Bon, les gars, de points de sac de Noël. Ouch, mais ouch, moi, t'es ouch. Mais de la muter. T'arrêtes. Oh putain, je peux pas croire que je t'ai sorti de l'aggro. Oh, ok là. Attends. Il me reste un creep. 6 secondes, je suis pas encore sorti d'affaire. 3, 2. C'est bon, j'ai enlevé les blocs, tu peux perle au-dessus. Oh, putain, on a défoncé la trappe. Ok là, perle au-dessus, regarde, tu vois, il y a un gros trou là. Il essaie de bloquer ah, les, tes perles. Oh, putain. Casse-toi de là. Je le punch, je le punch. Essaye de perle vers le haut. Les gars, il se passe quoi? On est tous dans une trappe, on va sortir, attends. Les gars, ils vous ont entendu? Casse-toi. Non, je vais pas me casser, gros. Si t'es encore dedans, j'ai pas... j'ai broke de tout, là. Non, on va vous sortir de là. I'm cut, continue à les faire sortir de là, bouge-toi. Attends, t'as des creeps, quoi? Non, j'en ai plus, je les ai tous utilisés, j'ai utilisé 64 de mes creeps. Ouais, j'en ai plus. Les gars, il me reste 100 durats. Non, c'est bon, je suis mort. J'ai plein, il reste pour Blastron. Non, sale tweet, elle me fâche. Casse-toi avec elle, t'es space, mec, casse-toi avec elle. T'inquiète, non, je vais pas vous laisser là, les gars. Non, on laisse pas nos gars là, mec, ça se fait pas. Y'a Zeril qui est encore là. Il me laisse pas, ces fils de pute là. Oh, mais y'a. Icon, dis-moi, je t'emmène des creepers. T'as des creepers et tout? Je te donne juste des creepers. Ok. Je te ramène 16 creepers. Icon, le problème c'est que là, y'a la brèche. Bouge pas, je t'ai jeté sur toi. Ok, cool. On va essayer de sortir des releases. Fils de pute, il m'attrape. Mais les gars, je viens faire farm. Fils de. Les gars, il est braque, il va me farm, fils de pute. T'inquiète, j'essaie de te sortir de là. Je suis dans la merde, moi. Dis que TP. Attends, Byfreeze est dans la merde aussi, attends. Geek, ramène ma soeur, il faut geek, sortir, Byfreeze. Geek, ramène des creeps. TP où là? Mais mec, geek, ramène des creeps, je t'ai dit. Geek, on est dans un AP, il faut que tu ramènes des creeps. Non, mais. Suicide-toi. Faut que tu te suicides et que je me déco, je suis pas en combat. Attends, je te dis quand tu te suicides. Non. Je dois faire quoi, slash quoi? Slash suicide. Suicide, t'es prêt? Maintenant! C'est bon, j'ai tout récupéré. J'ai récupéré ton plastron, ton pantalon, ton épée, ton. Icon, casse-toi. Cassez-vous. Non, faut que je sorte. Mais faut que je sorte de. Byfreeze de là, mec. Okay, il est venu nous aider, faut que je le sorte de là. Je le sors de là, moi, je laisse pas un pote derrière moi. Geek, vas-y, rentre, s'il te plaît. Ouais, home farm. Allez. Viens à la lava, faut que je tombe. Oh, mais les gars. Ok, là, t'as des creeps ou pas? C'est bon, j'ai réussi à sortir, les gars. Perle en haut, I'm cut you. Ok, là, perle en haut. Perle ici! Oh putain, je me suis auto-trap! T'inquiète, moi j'ai. Je suis trop con! Mec, attends, regarde, regarde tout le stuff que j'ai gagné aujourd'hui! Okila, t'as des creeps ou pas? Ouais, mais je peux pas! Ah, c'est bon, il reste deux! Vas-y, droite! Il reste Byfreeze ou pas? Byfreeze, il est bon ou pas? On peut pas laisser Byfreeze là, gros! Et mon arc, s'il te plaît! Là, Icon, tépais-toi, je peux le. Oh mec, oh mon dieu! Attends. Allo! Faut qu'on sorte Byfreeze de là, gros, ça se fait pas. Exo, il y a Byfreeze qui sont coincés dans la PA School Kids. Byfreeze, mec, il faut les aider, gros. Quoi? Attends, panique pas, mec. Ouais, mais en fait, c'est. Non, on y va pas, les gars, là, mec. C'est qui ça? I'm cut you? Viens. Tiens, j'ai un 9. On peut plus rien faire pour Byfreeze, je pense. Les gars, si, on peut. Les gars, je vous parle. Si jamais vous faites farm, vous me dites, hein. Genre, en fait, faut juste TP. Moi, là, je viens de redonner le stuff. Oui, je viens de le sauver. Attends, je jette des creeps là, vite fait. Bye freeze. Suicide, toi. Non, faut pas. Attends. On a encore une chance de sortir de là. Je vais dépenser de la thune. Mais on va l'avoir. Il est allé avec vous? Non. Il est mort. Ah, une cut. Qui a l'appel, les gars? Qui peut me rire? Mais les gars, ok, on se casse. Mais est-ce que Payfree c'est votre pote? On se casse. Prends, I'm cut, saute dans le trou là, le trou avec les perles. Mec, trop tard, moi je me suis cassé. J'ai pas compris en fait, c'est. Putain, fais chier mec, on aurait pas dû laisser un pote derrière.